Maman a donné une boîte de livres. Qu'est-ce que tu lis, mon chat? Tu lis un livre, Mon pot à moi? Ah, c'est pour apprendre la propreté, ça. Choupi va sur le pot? Maman, elle te l'a beaucoup lu, ça, avant que tu ailles sur le pot, quand tu avais encore des couches. Comme tout le monde, d'ailleurs, tout le monde a mis des couches. Regarde, Choupi, moi, c'est un petit pot pour toi. Bah oui, et toi, t'as eu un pot aussi. Mais oui, mais quand j'étais bébé. Eh oui. Quand j'avais 10 ans. Un peu même avant, quand même. 3 ans. Non, avant, ça veut dire un an et demi. Coucou, coucou, coucou les filles, ça va? Coucou, oui, on se remémore les moments et puis on aime bien lire les livres, donc on se remémore les moments où Ellie était encore toute petite et qu'elle allait sur le pot. Et oui, les premiers moments où on lui a appris à aller sur le pot. Alors vous aimez bien ce genre de littérature, ce genre de moments? Oh, ben c'est bien, ça apprend aux enfants à être propres, c'est sympa. Bon, ben écoutez, moi j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai? Oui, t'as j'ai un reçu... livre. Non. Ah. J'ai pas non plus un nouveau bébé à mettre sur le pot. Quoique, je n'en dis pas plus. Lancez-moi le générique. Générique. Et nous revoici les filles. Donc... Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Eh oui, qu'est-ce que tu dis ma puce? Tu m'as pas fait peur. Je t'ai pas fait peur. Moi pourtant c'est bientôt Halloween. Je me prépare. On vous réserve une petite série là d'Halloween. Hein, bah oui. Qu'on s'y mette. Bah oui. Je prendrai les gros yeux, tu sais, les gros. Oui, qui fait peur. Ça fait peur. Alors je vous avais promis un nouveau bébé, peut-être un bébé qui va au pot. Tout oui, à fait, oui, mais... j'ai hâte de découvrir ça. Mais Mamounette, t'es pas enceinte? Non. Pas. Donc comment on va faire? Bah, je sais pas, t'as pris un bébé à la maternité? Non. Il y a... Non. Il y a Hasbro qui nous a envoyé ceci. Un nouveau Baby Alive. Donc c'est Baby Alive qui va au pot, regardez. Elle fait pipi pour de vrai, c'est génial. Alors regardez un petit peu les fonctions qu'elle a. Tac, c'est tout écrit ici. Donc on lui donne de l'eau. On l'aide à aller au pot, on lui lave les mains et on la récompense en lui donnant un autocollant. Alors regardez, elle fait pipi sur son pot. Mais je l'entends. Oui, parce qu'en fait, il y a une petite... une fonction des mots. Voilà, et du coup, il y a déjà appuyé. Tu vois? Elle est toute excitée. Voilà, là. Regardez, il bouge. Alors en effet, ce bébé bouge si on appuie sur son ventre. Voilà le pipi. Écoutez. Oh, c'est le bruit. Voilà, on va l'ouvrir. Allez, ouvrez-moi ça. Allez. J'ai hâte de le découvrir, ce bébé. Alors... Donc on remercie Hasbro de nous avoir envoyé ce coupon. C'est une nouveauté pour le mois d'octobre. Alors ça vient de sortir. Et elle a l'air bavarde, hein? Elle a l'air de beaucoup s'exprimer. Alors allez-y, déballez-moi ce bébé. Alors il est trop mignon. Oh mon bébé Kalinou. Et elle te ressemble un peu, je trouve. Elle est blonde comme toi, regarde. Oui, mais elle est pas... Elle n'est pas comme moi, les cheveux, moi je suis blonde, les cheveux. Toi t'es blonde, un peu moins blonde que la poupée, et puis t'as les cheveux surtout raides, alors que la poupée a les cheveux bouclés. Tu me donnes ton livre? Oh merci. Alors va vite t'asseoir mon bébé, je te fais un gros bisou. Mouah. Un gros bisou et un gros câlin. Oh là là là. Qu'elle sait que maman est en train de galérer. Elle se dit, j'ai pas envie de galérer avec elle, je vais faire un câlin non, à mon papa. Je sais pas comment ça s'ouvre, papa. Bon alors les petits copains de copine, on va tout déballer parce que papa il sait, regardez, il y a tout un tas de trucs. On le déballe et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite les petits copains et petites copines. Oui. Alors les petits copains de copine, Mamounette avait raison. Oui ma puce. Oh, il y a un biberon. On va regarder ça en détail. Ah ouais, on va regarder tout ça. Alors Mamounette avait raison, c'est un truc de malade. Regardez ce qu'elle avait derrière. C'était impossible à enlever. Donc il faut des outils de précision, outils de chirurgien. Regarde ma puce. T'as vu? Oh, elle a un petit... Oh, c'est trop mignon ça, Mamounette. Et oui, parce c'est un que petit quand slip. On est propre, on met plus de couches. Bah oui. On met des petites culottes. Bah oui, alors... Oh, il y a des autocollants. Bah oui. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait pipi, il faut la récompenser en lui donnant un autocollant. Alors regardez, il faut dévisser ça. Alors là, Hasbro, vous avez fait les foufous. Vous m'avez fait une protection de malade. Alors il faut dévisser les vis avec des outils voilà, datant de l'âge de pierre. Parce que papa, il a des outils datant de l'âge de pierre. Hein. Papa, On les a retrouvés dans la grotte de Lascaux. Alors voilà, hop, je la libère. Regardez comme elle est mignonne. Donc là, il va falloir couper. Mamounette, est-ce que tu as un ciseau? Oui, on peut lui donner le prénom qu'on veut, mon cher. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'a pas de prénom. Quel prénom vous allez lui donner? Moi, c'est moi qui vais. Allez. Alors, quel prénom tu vas donner, ma puce?
Emma. Emma. C'est très mignon tout ça. Alors là, je vais libérer. Vous voyez, j'ai déjà commencé à libérer. Il faut que je la libère ici. Regardez. Oh la pauvre, elle est en train de s'étrangler. Il faut vite la libérer. Donc je vais donner un petit coup de ciseau ici. Attention, j'y vais. Tac, tac, tac. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Mais c'est qu'elle tient aussi pas. Au niveau de la tête. Elle crache pas. Elle crache pas celle-ci. Non, c'est pas une poupée, lol. Ça m'a plus. Et voilà, elle est libérée. Elle a fait pipi. Alors tenez, je vous la donne. Alors déjà, donc elle a. Le bouton là, elle a ses fonctions là, donc là c'est le bouton arrêt, après on a le bouton démon. Démon ? Démonstration. C'est peut-être un démon, c'est pas encore Halloween on a dit. On a le mode démo, après on a le mode papa ou maman. On peut choisir, voilà, si on veut être un garçon et jouer Baby Alive, on a le droit. D'accord. Voilà, donc nous on va se mettre sur maman. Coucou Nana. Coucou. Regardez-moi, je danse. Regarde. Elle danse. On lui tient les mains. Ah oui, elle danse. Tiens, essaye mon chat, tu lui tiens juste les mains. Ah là là, oui, je vois ses pieds qui bougent. Ding 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 ding. Je l'ai fait. Oh là là. Alors elle parle beaucoup, dites donc. Et ça, il faut mettre de l'eau dedans. Alors on va mettre de l'eau, ma puce, tu as raison. On va mettre de l'eau et on va voir si elle fait pipi. Oh là là. Youpi, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'elle dit, Mamounette? Youpi, je l'ai fait. Je danse. Regarde bien, je danse. Oh, elle est contente. Apparemment, elle dit plus de 50 phrases alors. Elle a un petit peu du vocabulaire quand même, cette Baby Alive. Ah oui, là, elle trépigne par terre, c'est trop rigolo. Alors, ce qu'on va faire, Mamounette, c'est que je vais mettre de l'eau dans le biberon. Et puis, on va voir comment elle fait pipi. Voilà, parce qu'elle va réellement boire l'eau. Et oui, et donc apparemment, cette petite fille fait pipi uniquement lorsqu'elle est sur son pot. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'elle boit. Et puis elle dit je veux faire pipi, je veux faire pipi. Et tant qu'on ne la pose pas sur son pot, elle ne fait pas pipi. Il n'y a que lorsqu'elle est sur son pot qu'elle fait pipi. Alors on entend le bruitage. Hein. Allez, petits copains de copines. Qu'est-ce que tu dis, ma puce ? Ah, la récompense. Allez, les petits copains de copines, je vais mettre de l'eau dans ce biberon. On se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai rempli le biberon d'eau. Alors allez-y. Nourrissez ce petit poupon. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ellie, elle a mis son doudou sur alors, le pot. Pour lui donner à boire, il faut pencher légèrement la poupée. Vas-y. Et tu peux l'enfoncer. Faut bien l'enfoncer. Alors là, elle est en train de boire. Ah oui, on entend. Elle a tout compris, Ellie. Il faut presser doucement. Alors en pressant, eh ben, en fait, l'eau rentre dans la tête du petit poupon. Donc on va faire tout rentrer, qu'est-ce que t'en penses, maman? Appuie bien, ma puce. Allez, vas-y, fais rentrer toute l'eau. Donc on voit que l'eau diminue dans le biberon. Hein. Oui. Elle a tout bu. Merci, maman. Merci, là, maman. Merci, elle est très gentille. Regardez, elle a bu la moitié à peu près. Oui, c'est ça, à peu près. Il y avait un trait max, papa avait rempli à fond. Ah oui, moi j'avais rempli. C'est pas grave. Ah, écoutez, je dois faire pipi. Elle doit faire pipi, alors regardez bien. Il était temps et voilà le pipi. Est-ce qu'elle a fait pipi? Est-ce qu'on peut voir si elle a fait pipi? Merci maman. Alors là j'ai entendu le bruit. Et j'ai entendu comme une pompe. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le pot? Trois gouttes. Elle a fait trois gouttes. Je pense qu'elle a pas assez bu. Elle nous a triché. Allez, bon. Redonnez-lui à boire. Allez, redonnez-lui à boire. Donc les petits copains et les petites copines, on recommence. On l'abreuve une seconde fois. Donc on va essayer de vider le biberon cette fois-ci pour qu'elle nous fasse un plus gros pipi. Parce que deux gouttes, je vous montre ce qu'elle a fait. C'est vraiment, là, franchement, une goutte même, regardez. C'est comme dans tous les jouets, il faut un petit peu l'amorcer. Bah oui. Et puis c'est comme toi, Mamounette, quand tu bois une fois, t'as pas envie de faire pipi. C'est vrai, un verre, ça va. Un verre, ça va. Deux verres. Trois verres, bonjour les dégâts. Alors, vite, allons aux toilettes. Moi aussi. Toi aussi, c'est pareil. Bah oui. Et voilà la petite copine. Elle a fini de boire son biberon. On va voir si tu as le droit de porter des culottes de grande fille. On va t'installer sur le pot, voir si elle est propre. Elle avait une grande soif, on aurait dit. Hein. Oui, elle a bu l'intégralité de son bibi. Bon, bah allez-y, mettez-la sur le pot. Donc normalement, Mamounette, là voilà, tu as raison, il faut faire claquer les jambes. Et quand on le met sur le pot, elle détecte qu'elle est sur le pot et elle fait pipi. Voilà, c'est allez. Parti. Il était temps.
Elle chante. Ok, je dois faire pipi. Elle se dandine. Youpi, je l'ai fait. Alors là, on a bien entendu, Mamounette. Hein. Tu as entendu, Ellie? Non. T'as pas entendu? Moi, j'ai entendu glou, 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 glou. Alors, elle dit youpi, je l'ai fait. On va voir si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as fait pipi? Alors... Voyons voir. Je vais voir, Mamounette, ce qu'il y a dans le pot. Voyons voir. Ah oui, regardez, les petits copains et copines, elle a fait son pipi. Donc, c'est l'eau qu'elle avait bu qui a transité, hein, on peut dire comme ça. On va essuyer. Qui a transité jusqu'au pot. Bon, et alors, après avoir fait pipi, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Bon, on s'essuie. On se lave les mains. Ah oui, on se lave les mains. On s'essuie, oui, bon, là, on a qu'à dire qu'on l'a essuyé. Hein. D'accord, on se lave les mains. On se lave les mains. Allez, on a un petit accessoire. Hein. D'abord, il faut lui mouiller les mains avec, pousse, pousse, avec de l'eau. Tu peux me donner de l'eau? Bon, bah regarde, on va faire semblant. Allez, vas-y, mon chat. À me lever. Est-ce qu'on peut appuyer dessus? Aide-moi à me lever. Pchut, pchut. Les mains, c'est là, doudou. Voilà, hop, on frotte. Aide-moi à me lever, elle veut absolument être en position debout. Mais peut-être qu'elle veut danser, elle veut fêter ça, quoi. Ouais. On va voir. Youhou, je danse. Eh, je vous l'avais dit, regardez. Elle trépigne. Et lui lave les pieds. Bah oui, en même temps, on peut faire la toilette intégrale. Hein. Et donc, on a la petite pancarte, là, le petit carnet où on colle les autocollants à chaque fois qu'elle a bien fait son pipi. Voilà, Ellie a commencé à coller. Ah d'accord. Donc ici, vous voyez, on met des petits autocollants et quand on arrive ici, eh ben, on a gagné la médaille. Et on peut mettre, alors les voilà, oui, on peut mettre un petit slip. Alors voici les autocollants, regardez, c'est des petites fleurs, des petits sourires, hein, on dirait un petit peu des smileys. Et donc, on les colle ici sur les ronds. Voilà, et quand on arrive ici, médaille. Alors, maintenant on va estimer qu'elle est propre, notre poupée, et on va lui mettre son slip. Alors regardez là, un joli petit slip, c'est quoi? C'est un tanga, Mamounette? C'est quoi? C'est une culotte. C'est rigolo. Voilà, un petit bloomer culotte vert d'eau. Elle est trop belle, cette poupée. Et il lui lave la fesse avec sa forêt. Elle est trop belle. Mange. Et regarde, papa, elle a un peigne aussi. Mange, il se prendre soin d'elle. Oh, elle va avoir de très beaux cheveux bien peignés. Elle mange de sa forêt. Elle mange de sa forêt, non. Quoi. Alors fais-moi, Mamounette, que je la vois d'un peu plus près. Oui, alors on les suit un petit peu parce que c'est quand même un bébé, elle s'en met partout hein, quand elle boit. Alors regardez comme elle est belle. Elle a un très très beau visage, regardez. Elle est articulée au niveau des bras, articulée au niveau de la tête, articulée au niveau des jambes, on l'a vu. Elle danse, elle parle, elle chante, elle fait pipi. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagou, hein, cette petite fille. Elle n'arrête pas de parler. Donc, quand on en a marre, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va derrière et on a le bouton off. Elle a tout bu. Elle a tout bu? Ben oui, elle a tout bu. Oh, elle a tout bu, elle nous a fait un gros pipi. Bon, ben voilà, c'est trop mignon. Alors oui, j'ai montré, regardez, elle a fait un gros pipi, hein. On l'a déjà vu. Hein. Bon, bah c'est génial. Ça t'a plu, ça m'a plu? Non, papa. Ouais, à mon avis, on a de longues heures de jeu devant nous. Enfin, oui, je pense plus, aussi. Il y a de la toutouille avec de l'eau. Alors, Baby Alive, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est nouveau. Un coup, c'est Baby Alive. Elle met de l'urine partout, Mamounette. Non, c'est que de l'eau. Donc, je disais, on a Baby Alive qui mange tout seul, Baby Alive qui fait pipi tout seul, Baby Alive qui marche, Baby... il y en a plein en fait, Baby Alive qui marche, je ne sais même plus, tiens, qui marche à quatre pattes, qui marche à deux pattes, qui marche sur un pied, sur un doigt, sur les oreilles. Non, il y a plein de Baby Alive et ça c'est une nouveauté donc de... Du mois d'octobre. Noël, là. C'est ça pour Noël. Oui, ça sort en octobre en fait. Hein. Cool, ce Papa Noël il en fabrique des nouveautés. Hein. Alors, les petits copains et copines, si ce Baby Alive vous a plu, bah, mettez-nous-le en commentaire. Dites-nous si vous avez aussi des Baby Alive. Et toi, qu'est-ce que tu as été chercher? Une cuillère. Une cuillère. Tu veux lui donner à boire son pipi? Ok. Allez, bois ton pipi. Qu'est-ce que je vous disais sur la toutouille? Bon, les petits copains et copines, on va se laisser. On vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez. Et puis, on se laisse sur quoi? Bah, comme Ellie est en train... Abonnez-vous, comme dit Ellie. Tout à fait, j'ai failli oublier.
Heureusement qu'il y a les liens dans la barre d'informations. Là-haut. Qui mène vers le Baby Alive, va sur le pôle. Et nous, on va se laisser sur le biberon parce qu'en fait, Ellie est en train de s'amuser avec le bébé. Alors, on va lui le laisser. Alors, voilà le biberon rose. Celui-là, sur le Saforel. Est-ce que ça marche d'ailleurs? J'ai pas regardé. Non, c'est factif. C'est pour faire semblant. Allez, on se laisse sur le Saforel. Allez, on se laisse sur ce pouce-pouce. Oh, le Saforel, 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 le Saforel